Ça doit être... Il y a un vibreur. Oui, c'est ça. Attendez, je vérifie. Si on y est. C'est bon, normalement, on est sur Facebook. C'est bon, on peut commencer. Très Bon. bien. On va essayer de juste pas. Ça doit être... Donc, on va juste attendre Barka et le Tahko, كاش مشكل le live pour commencer. voilà. Inch'Allah, le petit retard n'a pas Oui. ma Inch'Allah, oui, effectivement. Juste là, je vais la page Facebook. Est-ce que, alors. Bon, alors, merci à Kawari, cette nouvelle, فيها الفقرة الجديدة دونك درنا فقرة جديدة جلسات قوارير اللي في كل أسبوع حنحاول نستضيف مختص في مجال معين دونك مجال أكيد راح يكون عنده علاقة بالحرف بالنشاط الحرفي بطريقة مباشرة وغير مباشرة كما اليوم راح استضفنا مجدة بن شعبان دونك اللي هي في نفس الوقت إخصائية نفسية وفنانة دونك ارتيست بانتر واللي راح تطرق معنا الصعوبات النفسية عند المبدعين دونك السلام عليكم، أهلا وسهلا. صحفي الله يسلمك صحفي. دونك انا نخلي لك مجدة الفرصة للكلام دونك اللايف هاو تاعك احكي فيه كيما حبيتي الحرفيات هم جو عجلك راهو معانا نخلي لك فوالا Très bien. يعطيك الصحة خديجة. يعطيكم الصحة اللي راكم حاضرين معنا اليوم. ألوغ كان الحوار بيني وبين خديجة على الموضوع اللي رايح نطرق عليه اليوم اللي عنده علاقة بين الصحة النفسية ولا بين المشاكل النفسية وال لا رياليتي دي كرياتور ودي ارتيزون المشاكل اللي يقدروا يعيشوهم الحرفيين والمبدعين. alors pour commencer راح نسين نتكلم بالدارجة de temps en temps je vais placer des mots en français et essayer de ترجمهم en même temps. donc je vais me présenter rapidement. نقدم نفسي دونك مجدة بن شعبان درت درست جي في اون ليسونس اون بسيكولوجي كلينيك في لونيفرسيتي دالجي 2 بزريعة اي بار لا سويت درت ان ماجستير في ليكول دي بوزار pendant les études تاعي de psychologie j'ai commencé à participer à des expositions de peinture donc كنت déjà J'avais déjà une,
c'est-à-dire j'avais débuté mon activité artistique, ma participation à des expositions sur Alger, déjà qui compte étudiante en psychologie. Et par la suite, Khedemt fait dans différents domaines. Khedemt fait l'éducation, Khedemt comme enseignante d'éducation artistique, Tarbiya Tchkilia, Tarbiya Finia, Khedemt comme Nacheta fait Walachet, ou Khedemt comme psychologue dans une école. Par la suite, j'ai décidé. Pendant que je travaillais en tant que psychologue, quand tu me dis les toiles taille, je commençais à avoir une activité assez régulière sur les réseaux sociaux. Donc, on te présente bzaf Facebook. Par la suite, je me suis mise sur Instagram et j'ai commencé à montrer plus sérieusement et à travailler l'image taille sur les réseaux. Et comme ça, j'ai pu avoir des propositions d'expositions et aussi Khedemt sur commande. Et donc après, j'ai vu que ça marchait, j'ai vu que Nesta Djibouham Khedemt Ta'i. Et c'est comme ça que je me suis lancée. Donc j'ai fait déjà ma carte d'artiste. En bas, j'ai fait ma carte d'artisan en 2019, où j'ai lancé ma marque en quelque sorte. Voilà, donc depuis, Rani, je travaille en tant que psychologue, en tant qu'artiste, pardon. Voilà, beaucoup plus de l'autre côté de la Méditerranée en France. Et donc, Arft, une étape, ce que c'est que d'être salarié, ce que c'est que d'être, de travailler avec des horaires bien fixes. Et par la suite, j'ai compris que Anna Manish, je suis pas très à l'aise avec ce format. Donc, j'ai décidé d'être fichier, qui m'est rolo, et le rythme taï. Voilà. Donc, on va aborder ces notions-là parce que la gestion du temps, d'akhlaf, le machak li yqdrou et je vais justement les aborder la présentation taille. Et par la suite, bien sûr, les questions la présentation taille, le live est interactif, que je puisse répondre au maximum des questions, parce que la problématique psychique, c'est très personnel, c'est vraiment du cas par cas. Et كل حالة عندها خصوصيات تاعها دونك ماذا بيا يكون عندي précisément des questions précises باش vraiment je touche au problème en particulier. Mais حبيت quand même à travers la présentation حبيت quand même نعطيكم نظرة شاملة عامة على pratiquement quand même les problèmes qu'on peut rencontrer en tant que créateur. Quand je dis créateur, c'est la création, elle peut être artistique, on peut être un créateur d'entreprise, on peut être un créateur dans différents domaines. Mais maintenant, bien sûr, on est entre artistes et artisans. Donc, l'artisanat, elle a en particulier fait de la présentation. Donc, j'ai essayé de faire un récapitulatif par deux schémas et deux étapes. زوج مراحل اللي راح يجوز منهم حرفي ولا مبدع ولا فنان. المرحله الاولى هي مرحله الابداع, c'est-à-dire qu'il va l'artisan ou l'artisan va créer son produit, va créer son œuvre, va créer son objet. Et في هذه المرحله راح il va avoir différentes problématiques. Bon, hein, Alani, je m'appuie sur les problèmes parce que c'est le propos d'aujourd'hui, mais il faut savoir que chaque problème a une solution et c'est bien واحد لازم يشخص المشكل باش يقدر يعطي له الحل la solution la mieux adaptée. Donc la problème, en tout cas ce que j'ai observé à travers mon observation تاع les ateliers que j'ai animés et aussi ma propre observation l'expérience personnelle, c'est que le problème numéro un que j'observe, c'est ce qu'on appelle le perfectionnisme. C'est les personnes
qui ont le souci du détail. Parfaite. Il faut que le produit soit parfait, sinon, soit il déroule parfait, soit il déroule. Et ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Les ateliers que j'ai animés, surtout avec les adultes, mais c'est surtout chez les adultes. Si parfaite et la personne t'zaf ou t'énerve ou t'tqallaq et parfois elle jette tarmi ou t'arrête et tout parce que justement le conditionnement li aslo نقدروا نقولوا من التربيه نقدروا نقولوا من المدرسه نقدروا نقولوا من المؤسسه اللي نعيشوا فيها اللي تحبنا نكونوا كاري ولازم نكونوا بارفي سوف كو فوالا اون اي دون دي ميتيي مانوييل اون اي دون دي ميتيي جوستمون وين لامبيرفيكسيون هذيك هي لا فالور اجوتي اون فا ريفينير سور سا بلو تار دوزيام دونك في البيرفيكسيونيزم دونك عندنا le risque, ça veut dire que quand on est déjà quand on est auto-entrepreneur ou là quand on est dans l'entrepreneuriat, il faut déjà le goût du risque, ça veut dire que là où fait une aventure, est-ce que donc il faut déjà que la personne fasse la démarche le projet marche et où il connaît la philosophie de la vie, c'est quelque chose de l'ordre du ce qu'on appelle le mindset, c'est que il faut qu'elle ait, elle soit dans une position qu'on a une position d'une personne qui prend des risques et qui m'attrache le khsara, c'est-à-dire que raha tkhser peut-être mais elle va t'apprendre de cette expérience et elle va à chaque fois elle va s'améliorer. C'est pour ça que j'ai mis ça dans la catégorie du perfectionnisme, c'est qu'on peut pas être parfait dès le début. Et même on peut peut-être jamais être parfait et it's okay, c'est pas grave. Mais il faut juste avoir avec le recul nécessaire pour se dire comme pour tout apprentissage, ملي كون صغار باش نتعلموا حاجه وباش pour acquérir des compétences لازمنا نجوزو من التدريب لازمنا نجوزو من واحد يطيح وينوض يطيح وينوض يخسر يربح يخسر يربح اي سا في بارتي دو جو دونك سا سي اون سي ان بارامتر كي فو بروندر ان كونسيديراسيون حاجه ثانيه المشكل اللي ثاني كنسمعو وانا ثاني بيرسونيلمون عشتو سي الوقت كيفاش رايح جو في جيري الوقت كما قلت لكم واحد كيكون خدام في مؤسسه يكون خدام في شركه عنده وقت محدد يروح 8 يخرج على 4 ولا على 5 وعنده حياه عمليه وحياه عائليه ويقدر هكذاك يكون عنده une organisation claire de son temps par contre quand on est créateur quand on est artisan artiste et ben هذا الوقت هذا ما عندوش نفس ال c'est plus les mêmes paramètres déjà اذا الحرفي راح يخدم من دارو déjà كاين مشكل تاع الحياه العائليه الحياه الشخصيه الحياه العمليه دونك هاد لي ليميت هادو نقدروا نطرقوا عليهم من بعد الا كان فريمون مشكل اللي عندكم في حياتكم اليوميه on peut approfondir la question au moment des questions-réponses. Troisième point, l'aide marhala, on a travaillé sur l'objet, on a travaillé sur l'œuvre, on a travaillé sur le produit, et ce qu'on peut avoir, c'est le doute. Il se dit, il saute derrière, il peut dire, peut-être que شكون انت باش دير هذاك الشيء وتوري هذاك الشيء وتبين هذا الشيء للناس وتروح تحوس تبيعو شكون انت هذاك شكون انت سي سكون ابل سي ان جوج انتيريور اللي عندنا كامل اللي يجيك شغل يوسوس لك هكذاك ويقول لك بلي انت ما راكش عندك المستوى اللازم ما عندكش الكفاءات اللازمه باش تكون واش راك تكون واش راك حاب تكون اي سا سي لا بتيت فوا هادي اللي différentes étapes, c'est très important de prendre connaissance justement
من هاد لافوا هادي باش الواحد يسكتها باش واحد يخدم عليها باش ما تكونش عائق في لو بروسيسوس دو كرياسيون اي سي سكون ابل لو سيندروم دو لامبوستور لامبوستور ça veut dire qu'ana je suis pas légitime alors souvent les artistes les artisans peut-être mais un homme le diplôme ou là mais un homme 10 ans d'expérience dans le domaine donc il peut dire qu'ana mazalni jdid ou là mazalni ma na'rfch ou là ma andich les certificats ou là les diplômes nécessaires donc peut-être que ma andich qima finalement donc hada yedkhol fmen bab thiqa f nfs يقدر يكون عائق ويقدر يكون à la base à l'origine d'un manque de confiance où on n'ose pas. Alors oser justement c'est aller vers la deuxième étape, l'IA, l'étape تاع la commercialisation. C'est-à-dire dans le cas خلاص le produit ان يخدمته dans le cas لازم نبيعو. Donc l'étape هادو les étapes راهم جايين تاع la commercialisation ثاني كيقدروا بون كاين مشاكل نفسيه ندخلهم في كلش parce que qui dit مشاكل نفسيه ça concerne l'humain ça concerne l'être humain donc même quand il s'agit de gérer son argent داخلين فيها مشاكل نفسيه parce que justement العلاقه اللي عندنا مع الدراهم تقدر تكون من un peu les blocages qu'on peut avoir sont parfois dus à des blocages تاع مشاكل بالنسبه للي كرويونس dans certaines familles les croyances personnelles الحاجات اللي نقولوهم لنفسنا في الحياه اليوميه يقدروا يكونوا عوائق في هاد لا كيسيون دو comment gagner de l'argent et comment fixer un prix à son produit كيفاش رايح comment je vais quantifier le work learning douzo alors souvent les artistes les artisans ils se sous-estiment كرايحين يبيعوا خدمتهم avec des prix moindres que la alors après il y a des je sais c'est pas le sujet d'aujourd'hui كيفاش الواحد يجير son argent كيفاش يحسب باش يحدد السعر تاع المنتوجات تاع لي برودوي تاعو مي il faut juste prendre conscience بلي المشكل يقدر يكون مشكل نفسي ça veut dire derrière le blocage derrière la difficulté de donner un prix ou là de fixer un prix ou là d'élever le prix يقدر يكون derrière un blocage d'ordre psychologique ou ce qu'on appelle les croyances navicomital Ida, par exemple, عندي une croyance باللي الناس اللي تربح دراهم بزاف c'est ناس qui sont forcément سراقين خداعين ومنافقين forcément le rapport à دراهم معايا le rapport que je vais avoir avec l'argent ça va pas être un rapport مش حتكون علاقة صافية c'est-à-dire que je vais ce qu'on appelle faire de l'auto-sabotage saboter نفسي باش مانيش حنربح دراهم باسكو الفكره تاعي رايحه تكون اني كان نربح دراهم سوك رايح نكون من هذيك الناس اي سا سا بو اتر فريمون ان فرين تي كوم جوست هاد ليكزامبل اي بري انا بلان دي زيكزامبل كوم سا دونك انا نعطيكم فهاد لي انديكاسيون سي كو جوست باش كل واحد يخمم مع نفسه واش كاين ما وراء هاد لي ديفيكولتي كون بو رونكونتري دونك دوزيام شوز هي بالنسبه لا كومونيكاسيون اي لو ماركتينغ سا c'est quelque chose de très 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 important parce que j'ai vécu ça et j'ai été confrontée à l'exercice de devoir vendre un travail artistique et pour pouvoir le mettre en valeur personne ne m'a appris ça et il faut se dire comment vendre son produit ça fait partie du domaine du marketing. Mais en tant que justement du moment que l'ouahid décide il bien haja lazem ykoun ando un minimum de connaissances sur comment ou jou ma les stratégies li rayhin nhatouhom bach yqdar ybi' le produit tao et il faut vraiment être décomplexé بالنسبه لهاد la notion تاع نبيع parce que encore une fois عندنا بعد في المجتمعات تاعنا عندنا un rapport avec l'argent et je le remarque هنا en France تاني عندهم à peu près la même job derby on a hérité de la même mentalité عندنا un rapport assez
شغل كاين سارتان كومبلكس بالنسبه للدراهم دونك دو مومون كون ديسيد دو مومون كو الانسان يعول يبيع il faut qu'il soit à l'aise avec l'argent parce que là oui bien mais alors chez de mal après on peut très bien être des créateurs et être des amateurs mais quand on décide de devenir professionnel et le vraiment ça devient sa source de revenus lazim et c'est-à-dire il faut qu'il aborde toutes ces notions. Alors moi personnellement, j'ai pas hésité, je me suis formée, j'étais curieuse, j'ai suivi des formations en ligne, j'ai suivi des tutos sur YouTube, comment ça se passe, comment je vais mettre en valeur le trait de matériel, parce que c'est pas quelque chose, justement, j'ai mis le point à la formation, parce que la formation, elle est très, très importante. حتى واحد ما راح يعلمك في ليكول هادشي دونك في المدرسه ما نتعلموش هادشي مي اون فوا كون ديسيد دو فيفر دو سا اي فو سو فورمي اي جانسيست سور لو فات كو لا فورماسيون في كاع المجالات لي لازمنا ناخذوهم بعين الاعتبار اي فو كو لا فورماسيون سوا كونتينيو سادير ا شاك فوا كي نشوف بلي خصتني حاجه خصتني une compétence, خصتني une connaissance, il faut qu'on aille نجيبها. Et ça, très important d'être multitâche, et on va le voir tout à l'heure. حاجه ثالثه, c'est la motivation. علاش la motivation? Parce que مادامنا رانا في un exercice on est en train de mettre en avant, de mettre en valeur son produit, راح يكون عندنا ان روتور دونك لي كليون رايحين يجوا ديجا اي بي va y avoir cette histoire de communication il va y avoir à chaque fois يكون كاين ان بوين دو دوت واحد يشك في روحه parfois كاينه la concurrence parfois واحد يشوف بلي واحد اخرى ou la autre d'accord d'être à peu près le même produit. Donc hadchi est où il y a aussi surtout la critique parce que rana un monde où la critique est facile les réseaux donc c'est j'observe les critiques sont au fait on n'est pas suffisamment prêt on accueille la critique تقدر تكون واعره خلينا من لي كريتيك كونستركتيف و بوزيتيف هذوك سي كو دي شوز بوزيتيف دونك او كونترير سي فالوريزون مي لي كريتيك نيجاتيف ولا لي كليون انساتيسفي ولا دونك هادو كامل ثاني كسي رايحين يقيسونا في فالواحد واحد عنده نيف من بين لي كاركتيرستيك تاعو عنده نيف و sur un ego surdimensionné ou là il va te sentir plus et pour donner juste un point un rappel par rapport à l'histoire de la critique c'est très 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 important que nous soyons في هذا المجال تاع الحرفه تاع الفن والابداع ان on se détache من le produit. C'est-à-dire qu'il y a déjà une scène, une remarque ou une observation sur le produit, elle n'est pas agréable, une remarque pas très agréable. Il faut juste se rappeler d'avoir une remarque sur le produit. Mais c'est une remarque sur le produit, sur le produit. Donc, c'est la distinction entre la personne et son produit. Quand on critique un produit, on ne critique pas la personne. Donc, c'est très important de le recul. Donc, ça, c'est un point important à retenir. Voilà. Et peut-être qu'on cite des points, mais bien après, au niveau des questions, s'il y a d'autres points, les citerons. Alors, bien sûr, on n'aborde pas les problèmes sans parler des solutions.
كما قلت لكم au début la solution رايحة تكون مشخصة بالنسبة للمشكل مي لا encore une fois رانا في دي جينيراليتي نعطيكم en général ce que je vois moi comme étant des solutions ou des suggestions اقتراحات بالنسبة باش تعيشوا هاد le métier magnifique qui en a fait majeur l'ibda c'est vraiment un secteur d'activité extraordinaire et باش هاد المشاكل اللي قيسونا ما يكونوش سبت ان on laisse tomber et on se dit ah ouais واقيلا انا مانيش je suis pas faite pour ça ou là on laisse tomber son activité. Voilà, donc il faut toujours penser aux solutions possibles. Hajeloula, le conseil que je peux donner, c'est de constituer un réseau professionnel. On a du mal en tant qu'artiste, artisan, de se considérer comme un professionnel. Donc, très important, je suis professionnel. Ou madabi, qu'on a dit d'autres professionnels, mais aya, bech kin t'kellem à la machakli, nkoun avec des personnes y fermouni. Donc ça, ça peut se faire sur des groupes Facebook, ça peut se faire sur des rencontres réelles ou là, bien, hérafiyeh, bech, t'fermou ou qu'on a un seul et même langage. En plus du réseau professionnel, donc, j'insiste sur ce point-là, la famille, les amis, c'est pas une garantie. Parce que la famille ou les amis, ils aiment n'entchou, ورايحين يقولوا لنا غير الحاجات الملاح اي سي ولا العكس ولا العكس ils vont vraiment être brisés ونا ولا ils vont nous dire des choses mais c'est pas forcément des personnes اللي رايحين يكونوا des شو يقولوا راحت لي الكلمه c'est pas des personnes qui vont nous aider في le business تاعنا ولا في le projet تاعنا. Après, si on a des membres de la famille spécialisés ou là professionnels fait le domaine, que ce soit du marketing ou là de l'artisan, ça c'est encore mieux. Deuxième point, c'est être entouré de personnes positives. Ibad, ikounou ijabin. Ibad li kitkelmo ma3hom ta3w terj3alkom rrouh. Ibad li vraiment ishjoukom ou isandoukom. C'est très important parce que l'axe de hadch chi c'est catastrophique. Il va te dire que tu es un peu plus fort, ça ne va pas marcher. Ou il va te dire que, par exemple, tu es un peu plus fort, tu es un peu plus fort, tu es un peu plus fort. Ou des trucs comme ça, des observations de personnes négatives, peut-être que tu es un peu plus fort, tu es un peu plus fort, comme des vampires qui vont vampiriser l'énergie d'accord, mais ça c'est connu, malheureusement ça existe. Alors qui m'a dit comme justement le point très important, mais il se forme. Je l'ai vu beaucoup de personnes liées peut-être une formation de ma classe, elle se renouvelle pas ou là, elle ne fait pas des formations dans d'autres domaines et tout, c'est très, très important. Parce que l'insan, quand il apprend, quand il apprend, il apprend les choses qu'il ne connaît pas, il doit apprendre. Et toujours être dans cette formation continue, et pas que le domaine principal, mais dans différents domaines annexes. Peut-être dans le développement personnel, c'est-à-dire que ça peut être des formations, ben justement, on dépasse des difficultés personnelles. Et qui m'a dit tout à l'heure, être multitâche. Ça veut dire que en tant qu'auto-entrepreneur, on est auto, on a wahedna marhna. Après, donc, quand c'est des entreprises, il y a plusieurs personnes, à la limite, c'est une équipe. Mais quand on est seul, c'est très important. Le wahed il est multitâche, il arrive à faire bzaf hajat. On va qui t'kber la charika ta3w ou le projet t3w il t3kber. À ce moment-là, c'est important de déléguer. C'est important, pourquoi pas, le il خدم عنده un comptable, il خدم معاه un secrétaire, il خدم معاه un web designer pour faire un site ou là pour faire du marketing digital pour gérer
les pages sur les réseaux sociaux et tout ça. Mais dans un premier temps, c'est important, l'ouahid يتعلم يكون souvent qu'il n'ibda ou un projet, mais qu'il n'y a pas de rien pour payer quelqu'un. Alors, c'est voilà, donc il m'a dit être conscient t'as les points faibles, t'as les points forts. Soit il va consulter un psychologue. J'insiste sur ce point parce que le psychologue pour aborder des problématiques très graves ou des pathologies très graves, on peut très bien aller voir un psychologue juste pour du counseling, c'est que pour des rapports de pour parler de ses difficultés, voir les blocages au niveau de son histoire personnelle et tout. Ou alors on peut dire d'aller qu'on a ça se fait de plus en plus le coaching donc il ne faut pas hésiter que ce soit se payer des formations de coaching ou là carrément voir un coach et avoir des conseils pratiques et ciblés. Après un journal de bord, le journal de bord je le conseille vraiment parce que parfois un afkar et jouirohu. Et ça, j'avais fait une publication il n'y a pas longtemps sur la page TAE où il y a une note très importante. C'est très important de noter le geste HEDEC. Alors, ce n'est pas sur l'ordinateur, c'est très important. Je dois stylo, je dois le crayon et on note sur un papier. Très, très, très important parce que le fait que la matière, déjà, un secteur, un domaine qui touche à la matière, très important d'être dans la matière et de laisser sa trace et d'avoir les différents soit les projets, les objectifs, il met tout sur du papier. Il peut écrire des schémas, il peut dessiner, il peut écrire avec des couleurs et tout ça. Et c'est bien que l'afkar تكون واضحة كي نحطوهم في ورقة. Alors l'autre point avant l'échappatoire. L'échappatoire واش محسوب. محسوب que même le كان رانا في un domaine ou un secteur de création, mais كي تكون la création artistique artisanale متعلقة بالimperatif تاع الواحد يعيش من هذه la création, تقدر تكون une source de stress. Fait que واحد c'est ça avec ou avec hier busto et tout ça, donc il mangerait il coun une position ta libda bêche pour lui, pour que ça fasse du bien. Hier ça fait du bien, c'est sûr, mais il peut coun le stress qu'ter mène le bien-être. Et dans ce cas-là, mais le can en dehors de son de sa création de son projet ou là de son entreprise, il connaît aussi un moment où il va créer, il va dessiner, il va peindre, il va faire hajat bidou pour lui. Inchallah il bihom mon bad. Personne حتى واحد ما حيشوف الخدمه تاعو, mais ça sera pour lui le shirtah. Voilà. Donc ça c'est très important à le mentionner parce qu'on pense tous qu'on est artiste, on est artisan, c'est bon, on fait des choses, on fait une activité du bien-être, on fait une activité qui fait du bien et donc on est forcément zen, forcément on a zen tout le temps zen, alors que c'est pas vrai. On est confronté aux difficultés de la vie comme tout le monde. Voilà, le dernier point, c'est la capacité, la faculté. L'importance de transmettre. واحد qui مد يكون في la transmission, يكون في la générosité, il مد son savoir-faire, il peut faire des formations, il peut faire des ateliers, il peut faire des vidéos YouTube pour donner des choses, des conseils et tout ça, parce que ça va lui permettre justement de reprendre confiance en lui et aussi qu'il معروف هذيك الواحد يدرس الحاجه راح يزيد يتعلمها ولا رايح il va perfectionner le savoir-faire تاعو qui quand il va le transmettre. Donc كل واحد bien sûr et sa volonté qu'il ne se tapche ta elle aime pas être dans cet exercice d'animation d'atelier ou là d'enseignement ou là de formation ou là, mais encore une fois c'est juste une recommandation de ma part.
Voilà, je pense que j'ai pas prévu de parler de tout ça. Pour le manuel et le travail manuel et le bien-être, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches concernant les bienfaits du travail manuel. Et vraiment, le travail manuel, il a un impact positif déjà sur le cerveau. Ça permet les endorphines. Ça va être un antistress qui a été prouvé scientifiquement et ça va permettre justement de créer des connexions le cerveau pour générer d'autres idées. Donc c'est une posture, c'est une position, t'as une personne qui crée. À chaque fois, elle fait l'ibda, à chaque fois, elle fait l'ibda. هذا الشيء راح يخليها دائما تكون اكتيف ودائما تكون بوزيتيف رايحه تتعامل بالماده. alors juste pour rappeler باللي ces derniers temps le handmade ou les travaux manuels ou l'artisanat d'art عاود ترجعت on se voit observer surtout faire et ça me fait vraiment plaisir de voir que l'artisanat reprend sa place parce qu'elle a toujours existé sauf que Disney mène une période marhala et ça englobe aussi tout le monde l'industrialisation et la surconsommation c'est bon c'est saturé l'environnement catastrophe on a envie de revenir à l'haja, l'asliya, l'haja, l'yadawiya, l'haja, l'yandaha, qimtaha. Et ça, ça rentre aussi dans le patrimoine, le patrimoine, on va valoriser le patrimoine parce que ça passe essentiellement par l'artisanat. Et donc, il y a eu justement la problématique de la surconsommation. Dans le cas, les sarjat, ta'arif al-qima, parce qu'elle a le choix entre chérir de ma made in China ou la made in Taïwan ou la un objet industriel dans une usine et un travail fait main manuel. Donc, dans le cas, le consommateur est déjà conscient de l'importance ou au cadre, justement, il met le prix et le prix, souvent, c'est à la lazim, mais il accepte un objet qui a une valeur, qui a une histoire, qui a une. C'est très, très, très important. Et aussi, Anna Aïchine, justement, c'est à la dématérialisation. Donc, quand on revient à la matière, on se connecte la matière, il nous connecte le fait d'être des êtres humains. Et ça, c'est parce qu'on est trop dans le virtuel. Le virtuel, de temps en temps, si on a des activités manuelles, رايحين يخلونا نكونوا في الحاضر رايحين نكونوا vraiment conscients du moment اللي الوقت اللي شوفوا برك الوقت اللي جوزوه ساعه جوزوها في خدمه تاع يد وجا ساعه جوزوها في ريزو سوسيو وشوفوا كيفاش هذيك الساعه الانتيري كون plutôt le plaisir qu'on a de créer quelque chose de passer une heure à avoir un objet à avoir une production à avoir une œuvre créée. On a une certaine satisfaction, un certain plaisir par rapport les passe-temps, que ce soit la télé ou la YouTube ou les loisirs et les passe-temps qu'on voit ces dernières années. Voilà, donc, à la présentation. Je pense qu'on a fait un quart d'heure de retard, on peut aller plus un quart d'heure pour les questions-réponses. Ou Sharaïk Khadija. Alors, merci beaucoup, Majda, pour la présentation. Donc, avec Katsatin, on a une vue un petit peu globale, les étapes, tout ça. Merci beaucoup. Donc, en plus, c'est qu'il y a aussi indirectement quelques questions. Par exemple, les problématiques voilà, donc vous avez pu répondre presque à toutes les questions dit maintenant parce que on a remarqué que les travailleurs ils étaient beaucoup le côté nefs
من الصحة النفسية، كيف ما هي جاري والضغط، كيف ما هي يقدروا يلقوا التوازن بين الحياة العملية تاعهم كحرفية وحياتهم الشخصية. دونك وانت بهذا البرزنتاسيون تاعك قدرتي كما نقولوا بصورة غير مباشرة جاوبي على برسك يعني تساؤلات كل تاع الحرفيات. Donc, très importante, si je peux me permettre, Yanni. La posture ou la position, je parle des femmes en particulier, qui sont mara hirafia ou t'khdem à partir de chez elle, c'est la problématique principale, c'est nadra ta la ila ra'aycha ma ila ou la ta mujtama, du moment que la réalité sociale ta'na, et c'est général hein, parce que j'ai remarqué même hnaya, je suis en contact avec des artisans en France aussi, elles ont le même problème, c'est que du moment que rakif dar عندك نظرة المجتمع عندك مادام كي راكي في الدار ما راكيش تخدمي باش تقدر لا بيرسون باش تقدر تفرض لو ريسبي دو سا بروفيسيون ولا دو سون ميتيي سي تري ديفيسيل باسكو باش الناس تسمع باللي تسمع كون جدي تسمع سادير كال كومبران باللي تفهم باللي سي با باسكو جو سوي على ميزون كو جو نو ترافاي با. Et c'est pas parce que je suis à la maison que je vais te ou que je vais te dire ou dire hadik ou donc le cadre de travail c'est très très important de le fixer qu'il va dire il sort le périmètre de vie c'est-à-dire le cadre de vie habituel il sort par un bureau externe ou là par une chambre à part les qu'on trouve le travail hadik c'est tant mieux mais encore mieux le cadre de elle fait l'effort بس توجد روحها وتروح صباح تدير خدمتها وتعاود ترجع للدار. C'est très important parce que psychologiquement رايحه تكون justement plus elle va gérer le وقت تاعها رايحه تفرق justement par, je voulais revenir sur la question اللي عطيتيها لي بين الحياه النفسيه والحياه العمليه حياه العائليه والحياه alors surtout la المراه عندها ولادها et tout ça c'est ça devient presque impossible de travailler à partir de la maison bon جوزنا مرحله هذا العام كنا كامل في بيوتنا في ديارنا et tout ça on était contraint de travailler de la maison mais quand il y a possibilité de faire la différence c'est encore mieux. Oui, c'est vrai. Et surtout prévenir. يعني واحد باللطف وبال il faut savoir avoir les bons termes pour faire comprendre son entourage بلي راني خدامه et que il faut respecter le temps هذا اللي راني نخدم فيه parce que هذا le temps هذا هو الملموس اللي رايحه به. Je vais valoriser le khidma ta'i. Qui dit valoriser le khidma ta'i, ça veut dire que je vais la vendre au bon prix. Ça, donc, qui m'a un an mid l'qima le khidma ta'i. Rayhan mid l'qima l'étal ta' le khidma ta'i. Donc, nes rayhan yatou l'qima le khidma ta'i. Et ça, ça va être pareil. Ça va être pareil sur les réseaux sociaux. Quand je vais mettre ou la fawari, rayhan hot. Mon produit à vendre, c'est pas qu'un produit, c'est du temps, c'est une personnalité derrière, kaina, c'est une histoire, c'est bzaf hajat yedkhlo fhad l. Donc c'est pas que la matière première ou ana kanou bzaf nas yqoulou li chhal jouzi waqt bach tkemli une toile par exemple. Ça, c'est une question qui revient souvent parce que عندنا un réflexe تاع le salarié li راهو يتحاسب à l'heure, alors que le hirafi ou le fannan ne يتحاسبش على الساعه parce que derrière une heure هذيك يقدر يخدمها يديرها في ساعه بصح عندها قيمه اكثر
Parce que derrière, il y a un savoir-faire, qu'il y a une expérience, qu'il y a une énergie derrière, qu'il y a une patience, qu'il y a... C'est quelque chose de pas... Toujours mesurable, c'est pas mesurable. Voilà. Et donc, c'est très important que le fennan ou le hirafi, déjà, il est... il a confiance déjà de la valeur du produit tao. Ça, oui, il y a cette prime, هو من بحد ذاته يعطي القيمة للمنتوج نتاعو باه يقدروا الناس على خطوخ باهي كما نقولوا حتى هما يقدروا يقيموه où là, il y a des consommateurs pour tout. C'est-à-dire que tu rouhi, par exemple, dans un rayon de biscuits, fait un supermarché, andek 20-30 sortes de biscuits. Bessah, dans chaque marque de biscuits, andaha les consommateurs taha. Donc, il y a un public pour tout le monde. Et quand les gens ont deux produits presque similaires, ils ont un produit qui est très bien. Parce que c'est quelque chose d'irrationnel, le choix qu'on fait. Et c'est très important qu'on ait une concurrente ou un concurrent ou à peu près le même produit ou le même service, de se dire, même si c'est le même service, moi, je suis qui je suis. Donc, donc, forcément, ça va être quelque chose d'unique. Ça va être quelque chose de particulier. Donc, c'est ce qui est le prix. Le produit. Alors, il faut se dire qu'il y a un public à tout. Et il y a, quand je dis public, c'est par rapport à l'art et tout ça en général, mais il y a des consommateurs pour tous les produits. Il faut juste attirer, savoir attirer les bonnes personnes. Quand on n'a pas les moyens, le budget pour avoir le budget pour s'offrir un produit d'artisanat, insan li rouh l'artisanat ma rahouch insan faqir. C'est-à-dire que déjà, d'ores et déjà, on a déjà, on ne peut pas être dans la vente et en même temps faire du social. C'est-à-dire, l'insane est wadah ma'alfso. Soit il met le haja, il met dans le calbou, il met dans le kadia, soit il met dans le kadia, je ne suis pas en train de te vendre. Ok, mais quand tu dis que la tarte, là, justement, نحيو هذاك لو تابو تاع كيما نقولوا الصوار تاع القيمه تاع المنتج تاع كيما نقولوا المنتج عنده قيمته تال لازم نخليوها تال صام ما نقدروش نقصوا منها quand on a des par exemple un client pour les cas c'est trop cher pour les clients a c'est trop cher ما تخديهاش ضدك سي جوست كو هو ما عندوش لي مويان بور سوفرير سي با لو بروبليم كو المنتوج تاعك راهو لو برودوي تاعك راهو ترو شير نو هو ما عندوش لي مويان لا غالب اون بو با افوار بور اون بو با كيما يقول لك جي انتوندو اون فوا اون بيرسون دير ماكش رايحه تدخلي لا بوتيك دو ديور و انتي تقولي لهم تروحي لديور و تقولي لهم سي ترو شير. Non, oui, ceux qui consomment Dior sont des personnes qui ont les moyens pour Dior. Ceux qui consomment prêt-à-porter Zara, c'est des personnes qui ont les moyens, c'est des catégories. Donc, c'est des catégories, c'est des budgets pour le donc, c'est une question de, encore une fois, de cibler. Ouais, les amis cibles. Il sache donner la valeur au produit tao. C'est en donnant de la valeur au produit, en fixant le bon prix, il va attirer les personnes qui sont concernées par la gamme. Il y a toujours le bas de gamme, moyen gamme, haute gamme. Donc, c'est des gammes pour venir créer cette position.
Mais gars, hadj chihada, il me bataou, justement le fait de se donner de la valeur, de se donner confiance et de mettre de la valeur dans son produit. Le produit, oui. Master, je ne sais pas qui te met ici, mais je ne sais pas si tu as fait les commentaires. Kaina, une artisane, je pense, ou là. En tous les cas, Najla, est-ce je suis chez. Ça s'est coupé. Oui. Voilà. Télé pour le commentaire oui, de Najla. Oui, voilà. Je ne sais pas quand elle dit oh là là. Elle te. Alors, j'ai un sujet intéressant. Oui, allez-y, allez-y. Oui. Et la peinture m'a vraiment aidée à éviter Naralaska, encore une fois, dans mes maladies. Mais après, Pétorochif, un autre problème. Le syndrome de l'imposteur et me torture parce que je ne suis pas formée dans le domaine, juste j'utilise mon imagination. Alors, ce que je pose comme question à Najla, c'est que la peinture va rester dans un cadre thérapeutique, c'est-à-dire que la peinture pour qu'elle puisse être. C'est exactement ce que je n'ai pas abordé le sujet de mes intérêts. Mes objectifs et mes projets, mais c'est dans ce sens-là. Mais utiliser la peinture ou la création générale pour dépasser ces difficultés psychologiques. Mais le syndrome de l'imposteur, il me torture parce que je ne suis pas formée dans le domaine. Mais il faut distinguer la peinture comme thérapie et la peinture comme activité artistique. Une technique, ça veut dire que je vais perfectionner ma technique bêche pour avoir un objectif de vendre. Ça, c'est deux choses différentes. On peut très bien faire de la peinture là, mais on n'a aucune technique. Et on peut apprendre des techniques sans que ça soit forcément thérapeutique. C'est-à-dire que la distinction qu'il faut faire. Donc, je ne comprends pas très, très bien le syndrome de l'imposteur où je vois le. محل في المشكل خاطرش يكون مشكل تاع syndrome de l'imposteur quand on va montrer son travail à l'extérieur, quand on va faire des expositions, quand il s'agit de peinture, on fait des expositions, on participe à des événements où là on vend son travail. Et dans ce cas-là, on peut avoir un syndrome de l'imposteur quand on n'a pas qui me couche عندنا تكوين, qui me couche عندنا un diplôme, on se dit un échoule. Pour oser nourrir un titre ou un échoule ou un échoule. Donc, ça, c'est le syndrome de l'imposteur, parce qu'on a l'impression d'être des imposteurs. Je parle d'un chadou, parce qu'on n'est pas légitime, on n'a pas le diplôme, parce que Aïchine, c'est un système qui veut que tu aies un diplôme, mais tu aies un crime. Donc, quand tu as un diplôme, tu as un crime. Ça, je l'ai rencontré beaucoup aussi dans mes ateliers où j'avais des personnes qui, des autodidactes, on appelait les autodidactes, mais c'est comme nous sommes, ou même nous, forcément un diplôme, mais ça crée beaucoup de blocages. Mais pour les canaux où je suis allée, je suis allée, ça va pas du tout, ou même si j'ai un diplôme, donc je ne suis pas artiste, donc je ne suis pas légitime. Et ça, c'est complètement faux. Voilà, je comprends pas très très bien la problématique de Nadia, mais j'essaye de deviner plus ou moins. Alors, juste avant, j'ai commencé à montrer mes toiles à d'autres personnes hors mon entourage familial. Très bien, très bien. Donc, moi, ce que je conseille, c'est ça, c'est de oser, de faire le premier pas, de montrer déjà la famille, les amis. Et après, Kane en a fait une période magnifique où les réseaux sociaux là, ils sont très très bien investis. Donc, c'est très très bien de poster des groupes. Kane, des groupes, tu as les amateurs d'art et les artistes peintres.
pour avoir justement le feedback. Ça, il faut faire attention au feedback parce que parfois, malheureusement, les réseaux sociaux, on peut avoir tout et n'importe qui derrière un écran. Les qui ça les couches un double dicté par Sahiha, il peut être vraiment et chaque instant quand il reçoit une remarque négative dans les groupes. Alors, exactement. Et ça, je le dis souvent, toujours dans mes ateliers, c'est que des ingrédients, une recette détaillée. Donc, on compte le gâteau, par exemple. Et ben, je vais avoir, si on est 10, je vais avoir 10 gâteaux complètement différents. Pourtant, vous avez eu le même. Les ingrédients les mêmes et la recette la même. J'ai 10 personnes, je vais avoir 10 résultats différents. On appelle ça l'alchimie. C'est quelque chose qui connecte l'énergie à la personne, mais à la matière. C'est-à-dire que la matière, on peut la partager avec tout le monde. Et par contre, mon énergie, elle est singulière. C'est une seule, mais qu'est-ce que je veux ? Qui l'énergie taille triste avec la matière, le résultat de la connexion est unique. Unique. Mais qu'est-ce que je veux dire ? Donc ça, c'est très, très important de le savoir. Et je n'aurai pas le temps, la question du style, parce que la question du style, j'ai associé à la en général, on parle de style avec la question de tel style, ou là, je n'arrive pas à trouver mon style, ou là. Mais ça, c'est question, mais c'est rare de même quand il y a des gens qui ont des gens uniques, qui ont des gens 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 qui ont je ne sais pas, Khadija, s'il y a. Je ne sais pas s'il y a d'autres. Je vais remonter les commentaires. J'espère juste que j'ai été claire. On a quand même comme des points à caler. Enfin, tout en chou, la madame, comme nous disons, nous disons. Alors, revenir à Najla, puisqu'elle parle de proposer quelque chose. Je fais Najla, les formations. Mieux c'est, il faut se former. Il ne faut pas le faire avec l'idée ou avec le sentiment de ne pas avoir de diplôme. On peut ne pas avoir des diplômes, mais on peut faire des formations. Quand il y a des formations privées, même la chambre de l'artisanat, il faut lire, il faut voir des vidéos YouTube et plus le faire avec Queen et mieux c'est, il va estomper l'inconstruable syndrome de l'imposteur. Et surtout, le wahdir de l'école, je sais tout simplement que Andy, j'ai une personnalité, j'ai un savoir-faire et je pense que l'année Kadran, Bin Haja, je montre quelque chose d'unique. Il y a tellement de possibilités, il y a tellement de façons de faire que Analia Makesh Hadja Khelloukha. C'est-à-dire dans ce domaine-là, même Khadrouch, à part si tu participes à un concours ou qu'il y a un jury de Rahi Hasbek, ou Rahi Khadrouch, une thématique, ça, dans le monde-là, tout le monde a sa place. Dans le monde de l'artisanat, tout le monde a sa place. Pour nous, c'est une scène des colonnes, d'où une certaine conscience où il y a une
mais يخدم بقلبه سي تري تري امبورطون الانسان يخدم بقلبه ويكون اونيت مع الـ مع الـ الحاجه اللي راهو الى بروبوز يفو دو لوثنتيسيتي اي دو لانتيغريتي يفو كي الانسان يكون انتيغ صادق ك راهو هو لي فالور تاعو واش راهو يحط في هذيك البروجي تاعو يكونوا لي ميم زعما يكون كاين لي ميم فالور très important que qu'on fasse un travail bien fait. Quand je dis bien fait, ça ne veut pas dire parfait. Très différent. Bien fait, ça veut dire que vous le faites. Parfait, ça n'existe pas. C'est une illusion. Alors, on dit de la chauffer les commentaires. On a ça à mon petit rallumement. كيفاش ديري كي تتعبي في الحاجه ويقولوا لك غاليه رغم انك تقنتيها مليحه وطلبتي حقك المعقول هذاك واش قلت خديجه هذا واش قلت طوالا سي تري امبورطون يقول لك غاليه قولي له غاليه ليك جونتيمون جونتيمون il faut le dire avec du respect et tout غاليه ليك ça veut dire que انت اللي ما عندكش سي با دو ماشي داخله في القدرات تاعك مي كاين ناس اللي قادرين يخلصوا لو بري كيفو دونك انت لو بري تاعك البري تاعك مي اي بو با اي كونسيرن لازم انت تدخلي في دراهمك اوسي سي تري امبورطون دو فير ان كالكول باش ما تكونيش في الخساره دونك انت يا دو مومون كو ما راكيش في الخساره دونك راكي رابحه اي كو اكوتي يجيك واحد يقول لك انا غاليه قول له لا قول له انت ما عندكش سي كشغل تدخلي البوتيك تاع ابل بوغ اشتي ان ايفون وتقولي له غالي الايفون تاعك يقولك اختي ولا خويا او كاين دوطخ مارك دوطخ غام كاين يا دو تو دونك ا دو نو جور يا دو تو دونك روح شوف المنتوج ولا لو برودوي اللي يناسب لو كيما هذاك capacité d'acte, tout simplement. Donc, Déjà, j'ai chauffé, Andy, affiché 33 commentaires, ça, j'arrive à voir que 4 ou 5. J'arrive pas à... D'accord, donc, une question ou que... quelque chose de... Est-ce que Kima, tu lis prose, est-ce que tu as lu c'est encore? Alors, tant que vous êtes artisane, donc vous êtes là bien placée pour bien décrire les problèmes rencontrés souvent par les artisans. Du coup, comment faire pour arriver à gérer le stress lors des présentations orales, des produits devant le public, avec les expositions, tout ça. Donc. Et comment arriver finalement à bien les décrire, donc à les valoriser devant le public ou là, devant des clients, oui. Des expos oui. Peut-être, oui. Sûrement. Hadi Dakhla fait la communication et le fait de parler déjà, le fait de se mettre gahado c'est des choses qu'on peut apprendre. Je veux dire ma cache Isan a quelque peut-être qu'il a eu des expériences plus à l'aise floral et tout ça, mais il y a des personnes qui sont, et c'est la majorité des personnes qui sont très mal à l'aise floral, mais on va dire l'idée que l'un des amis a fait dans le bush, il passe chouïa le stress parce que le stress fait là. Je me rappelle les premières expositions, j'ai eu affaire à des journalistes, j'ai eu affaire à des personnes leaders ou parfois des SIA de ce mercredi et tout, alors que c'était, j'avais 20 ans, 21 ans, je venais, c'était la première fois de bien hajaté, c'est presque intime, hajaté pour de ma fille d'aller voir des gens, alors que bien à l'ena, c'est. C'est un exercice très très difficile. Je comprends parfaitement le chagrin de troll, le stress final à laquelle elle a découvert. Mais, je sais que c'est que, surtout pour les artisans, c'est que tu bénéficies un produit. Mais Shintia, c'est ton produit. Et c'est
هذا الاكزرسيس تاع الواحد يخلي المسافه بين خدمته ونفسه اي كل كو سوا لا شوز كون فا دير ولا تي واش راك حاب تكلم على واش تعرف ولا الناس واش راح يكلم على واش تعرف ما راهش راح يقيسك بيرسونيلمون بس il faut passer par des expériences هكا باش الواحد يتدرب on peut pas du jour au lendemain هكا الواحد يكون واجد chaque expérience جديده واحد يعيشها يكون عنده نوع من لو ستريس تاع الانكونو تاع حاجه اللي ما نعرفهاش حاجه لا بروميير فوا اللي نديرها انا بيرسونيلمون لي لايف سي لا دوزيام ولا ترويزيام فوا ندير ان لايف je suis stressée parce que je suis pas à l'aise avec la caméra. Je sais pas est-ce que le discours تاعي راح يكون faux, est-ce que vraiment je vais aborder tous les sujets. Donc tant que c'est quelque chose de nouveau, c'est forcément stressant. Mais ça, si c'est stressant, ça veut pas dire que مش راح الخوف هذاك مش راح يمنعني je fais le pas. كيما نقول في ان روشي ولا زنين جو بلونج جي بور دو فيد بصح جو دوا بلونجي باش الخوف هذاك يروح ونعاود نطلع ونعاود نبلونجي ومن سا دوفيا ناتورال اي سا سي كيك شوز دو مان انسان هكا مخدوم كيكون عيش اكسبيريونس جديده في حياته راح فورسيمون يبا افواغ اون تونسيون اون ستريس خوف بالنسبه للنظره تاع الناس بالنسبه جوست بور انفورماسيون une scène qui prend la parole en public, elle a été répertoriée comme la deuxième source, le deuxième source de stress après le prof minel mot. C'est-à-dire le jay avec le prof minel mot, ou même avec le prof minel mot, le fait de parler en public. Et ça, c'est quelque chose à expérimenter. Tout le monde est juste maintenant. Il faut qu'il y ait l'exercice de la soutenance. Il y a normalement un ouhda, il y a l'exercice oral des rôles primaires. Il y a un ouhda, un projet, même loubia qui est ونبتة يقدر يجيب هذا البروجي تاعو ويوضحو للزملاء تاعو دونك سي ان اكزرسيس كي نورمالمون اي سونسي انسيني باللي كلو صغار مالوروزمون سي ني با الكا نقرا ومن بعد نلحقو لونيفرسيتي اوني فاس ان لاسوتنونس كاينه لا فامي لو جوري نقراو باوربوينت دونك ما كاش فريمون هاد لوغاليتي ومن بعد بارفوا اي نو زاريف اون انتربريز ولا يكون عندنا دي ريونيون ولا يكون عندنا مهما كان مجال العمل اون دوا اي بان سي ديفيسيل انا وحده جي انسيني كان في عمري 24 25 سنه ben les débuts tarés quand je bégayais parce que j'avais peur parce que quand on dit tel ami trop d'amis j'avais peur même quand je suis ou c'est c'est à dire que qu'on soit enseignant formateur ou là qu'on soit artiste artisan ou on a un public les on transmet quelque chose c'est un exercice difficile. Oui, exactement. Donc, c'est naturel, en fait, d'avoir peur. C'est tout à fait normal. C'est le fait de... Donc, normalement, on l'a fait. Oui. Bah, tu m'as... عقد ما العبد يدير بزاف les expositions, عقد ما ي... كما نقولوا ي... en fait il assume هذوك لي بير تاعو و il fait face donc كنقول مش انا خايفه من لي كليون ما نروحش نحكي معاه ولا خايفه من انه je présente mes produits donc je ne saisis pas l'opportunité faut saisir les opportunités حتى تولي une habitude en fait تروح هذاك et puis il faut consulter les experts en
en marketing. Donc, sur YouTube, on peut trouver quand même des techniques de communication pour être dans non. la... Mais je suis là pour persuader parfois un client ou là pour vendre le produit. Ça, c'est des techniques quand on fait des études de marketing, c'est on apprend des techniques à ça. Mais à la base, le prof, le stress, il ne faut pas être extrême parce que ça devient un handicap. Mais la juste dose, le stress, Reha, cool, cool. Ou les grands formateurs dans le monde, ils font j'entends beaucoup des personnes qui font des conférences internationales et tout, ils font le Damon, face à un public, j'ai toujours avec la crainte ou avec le stress, et c'est naturel et c'est normal. Alors, il y a une question, Samouna. Je ne sais pas si ma question est passée en haut. Je la répète pour vous, madame. Comment faire pour concrétiser une idée virtuelle et la mettre en œuvre? Cette première étape est extrêmement cruciale pour ma personne. Je vous écoute. Concrétiser une idée virtuelle. Je veux dire quoi par virtuel? Est-ce que virtuel, l'idée, elle est fière à ça ou madabihat, juste dans la madabihat, t'appaka? L'marhala ou la. Al-kitaba, ça peut paraître banal, ça peut paraître simple, mais c'est magique. C'est très très important. Et qu'on a le kouras, et qu'on a votre fidèle ami, et dans le cahier, écrire son projet, mettre en rouge, mettre en bleu, mettre en vert, faire mettre des couleurs, dessiner s'il faut. Koulmara koulam de kfikarajdida. Il faut l'écrire. Pas sur l'ordinateur, pas sur le téléphone, pas sur la tablette. Il faut écrire sur un cahier. C'est très important. Et parce qu'on va avoir avec le recul nécessaire. Et quand on écrit l'exercice de l'écriture avec le cerveau, on voit beaucoup plus clair. Notre au moins qu'une cuite. Et on peut prendre une feuille blanche aussi. Je sais pas si un cahier. Un cahier, c'est juste pour garder les différentes idées. Quand on en a plusieurs, mais quand on veut juste on va dire le fikra ta3k li rahi fi rasak ila fhamt mliha par virtuel, je sais pas si j'ai bien compris, mais le fikra li rahi fi rasak hawli k tkhrejiha fi warqa déjà en premier. Et ensuite ce que je peux recommander c'est de parler avec des personnes du domaine, surtout pas à sa famille ou à ses amis. Parce que Ida, l'idée, mais elle n'a pas encore été concrétisée et qu'on en parle trop, et ben les gens naturellement ils vont nous décourager. Même le cas ils vont nous faire, même le cas ils sont les plus bienveillants et tout, mais personne de la famille, tous les cas, ou la magie, que ça ne va pas marcher, tout est chic. Donc, pour éviter l'effet, il faut d'abord bien structurer l'idée sur une feuille. Donc, sur une feuille. Et après, il faut aller voir, avant d'en parler, il faut que le fikra, ou tarja, réalisable. C'est-à-dire que concrètement, je vais vous dire que virtuelle, elle a un côté waouh. Il faut que tu aies une couleur plus réaliste. Et ça ne veut pas dire réaliste, ça veut dire qu'elle va perdre sa magie, c'est juste qu'elle doit être concrète. Et pour ça, il faut la décortiquer.
pour arriver à ça, il faut que je fasse ça. Et bien sûr, de préférence, l'ouahdi dira une hiérarchie bach yibda. Haja mou haja, haja mou haja. Bach il haqla le résultat, l'objectif ta'o. Et parfois, l'objectif, il fikrat, elle peut évoluer. J'espère avoir répondu à la question, parce que c'est, encore une fois, c'est des questions globales, générales, mais il y a des spécificités en fonction de la chose. Il y a d'autres questions, Khadija? Oui. Alors, Carla, c'est mon nom. Normalement, ça, je vérifie. Ouais, t'as dit que qui cache une diri. Non, non. Je vais répondre ici là. Je crois que j'ai dit ça. Qui cache que c'est la. Oui. Donc, normalement. Normalement, on a fait le tour. C'est très important. Normalement. Je donc, est-ce que quelqu'un d'autre question? Je ne sais pas. Normalement, c'est tout. Normalement, c'est... Juste, je précise un point. Je me répète peut-être, mais le fikra, les imra, tukhruj. Parce que tu parles de faire la sec, raihat, ça va tourner en boucle et ça va partir. En fait, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. C'est que l'afkar qui joue l'afkar au quotidien, même dans le domaine d'activité, on reçoit. Et voilà, je crois, c'est une croyance, je crois qu'on a des capteurs, je crois des antennes, une capture d'afkar. Afkar, afkar, zef, jouz, l'environnement et tout. Là, on va capter des idées. Et donc les idées, ils jouent là, ils jouent là, ça. Soit, c'est-à-dire, c'est très important parce qu'on va transformer une idée en quelque chose de palpable. Donc, quand on transforme l'idée en quelque chose de palpable, même si c'est écrit sur une feuille, c'est du palpable. On va l'inscrire dans le dur. C'est-à-dire, ça ne va pas être... Par contre, si on ne le fait pas, et on va observer par la suite, ça va être plusieurs fois, on va observer que ils ont réalisé. C'est-à-dire que c'est très, très frustrant. On va voir que on va voir d'autres personnes qui font des projets, mais qu'elles ont fait il y a des années, il y a des mois. Et on se dit, ah, ça, là, j'aurais dû passer à l'action. Donc, l'idée, c'est de passer à l'action. Première étape, inscrire sur une feuille, sur un cahier, son idée, la décortiquer et voir concrètement, je me forme, etc. etc. Je contacte telle et telle personne, mais le conseil, il ne faut pas parler maintenant. Il vaut mieux laisser les choses, l'intimité. Oui. Très bien, rajoute le cahier, c'est bien. De préférence, prenez un cahier, vraiment le cahier. Donc voilà, cahier même et... l'artisane, elle vous remercie, elle vous dit que c'est elle est parfaitement bien formée. Voilà. Alhamdoulilah, je suis contente, au moins que des personnes ont pu bénéficier. Il joue un rôle. En tout cas, là, je ne fais que partager ma propre expérience parce que j'ai observé les Oui, cela. Non, merci beaucoup, Mazda. Oui.
ça s'est coupé, je crois. J'ai un problème de connexion peut-être. Majda, est-ce que vous m'entendez? Oui. Il y avait un décalage, c'est pour ça. Oui, sûrement un problème de connexion. Donc, je disais, merci beaucoup, Majda. Donc, merci beaucoup. Oui, sûrement. Est-ce que je vous ai coupé ou là? Vous parliez de quelque chose? Oui, quelqu'un. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais ça marche difficilement. Il y a un décalage apparemment. Il y a un décalage et je ne sais pas, est-ce que la petite Nini, Hagda? Hagda, tu te manages? Dès que je vous entends. Normalement, dès que je vous entends. Voilà. Alors, il y a très bien. Je voulais juste conclure par rapport à... Avec plaisir, Madabia. Je conclue par un truc, c'est que... par Fikra, c'est que Nes Bzef on est dans des activités qui concernent l'art, l'artisanat et tout ça, c'est que forcément le hayat helwa, c'est-à-dire qu'on n'est pas touché par des problématiques de tous les travailleurs en général. Et Nassi Andom, justement, Fikra Ralta, à la ce que c'est que de travailler. Déjà, en auto-entrepreneur, on pense qu'il n'y a que de la liberté, il n'y a que de la Kerel Hajet Ijabiyen, et on oublie que derrière ça, il y a une prise de risque. Kerel risque Bzef, c'est que quand on commence à se lancer dans ces activités, on n'a pas la garantie. On n'a pas le confort et la garantie d'être un salarié. Donc, justement, c'est très important de comprendre la particularité des problématiques que peuvent rencontrer les artistes et les artisans. Parce que c'est des problèmes que j'ai vécu personnellement, ou les sites, ou avec d'autres personnes, d'aider et d'essayer de. À chaque fois, une difficulté, je la dépasse, j'essaie de la définir et ensuite d'offrir les possibilités, les solutions adaptées. C'est très, très important. Donc, voilà pourquoi j'habite justement le live à Dandero, pour dire que ce n'est pas parce qu'on fait de l'artisanat qu'on n'a pas forcément des problèmes, mais qui dit problème dit solution. Et il suffit juste واعي بكامل هذه المشاكل وإن شاء الله نكون استفدتكم كنتوا استفدتوا بهذه المعلومات اللي عطيتها لكم en tout cas on reste en contact si d'autres personnes ils peuvent me contacter en privé et s'il y a des questions d'autres questions ils me contactent et je me ferai un plaisir de répondre. Voilà, Khadija. Merci beaucoup, Majda. Merci beaucoup, avec Saha. وشكراً اللي حضروا معنا اللايف وشاركوا معنا اليوم. إن شاء الله تكونوا استفدتوا وتكون عجبتكم هذه الفقرة الجديدة. كما قلت لكم مجدة تقدروا تتصلوا بها لكن عندكم استفسارات أخرى ولا حابين تتعرفوا عليها على الفن تاعها فوالا ونقول لكم المرة القادمة إن شاء الله وتصبحوا على خير وصحة سحوركم
وفي الأمان مجد إن شاء الله نتلقى ومرة أخرى فرصة إن شاء الله نتلقى في الخير إن شاء الله ولا في بسلامة قوارير تصبحوا الأخير في الأمان. Merci.